Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed 2 pour la suite des aventures de Desmond Miles à travers son ancêtre Ezio Auditore da Firenze. Lors du dernier épisode, on s'était quitté dans le présent et on est toujours dans le présent puisqu'on doit aller rejoindre Lucie, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Alors, on va voir si on a conservé les aptitudes acquises de Ezio en nous soumettant un petit test. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêt à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les senseurs. Sois sympa, donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Ok, donc il faut activer ça. En fait, c'est juste pour voir si on arrive à choper les compétences de Ezio, quoi. Tout simplement, puisque vu qu'il va falloir grimper. Bon, le premier est facile. Alors, je sais pas combien il y en a, ils nous en ont montré 3, mais est-ce qu'il y en a vraiment que 3? Il y en a encore un. Par contre, je vois des choses. Notre personnage a de plus en plus de vision. Les hallucinations durent-elles plus de 30 secondes? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ah, ok, ouais. Alors, je m'en sors bien? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ezio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Encore un jour ou deux et nous serons prêts. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi Ezio? Pourquoi l'Italie? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altaïr. Le suivre dans ses premières années. Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre. Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidic s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Ah, il doit y en avoir encore. Ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de ses sessions ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Alors vous cherchez le codex et le sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit, Desmond. Merci d'être là. Alors, la séquence Desmond Miles, l'acquisition des compétences. Bah, elle est très brève, hein, parce que ça s'arrête déjà là, apparemment. Bah, c'est une séquence très rapide du coup dans le jeu. Bah là il a des visions à nouveau. Bah, ça a l'air de durer un peu plus longtemps que qu'avant. Ça a duré plus que 30 secondes la vision là ou. Bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et alors il a la vision d'une gazelle, enfin d'une femme qui demande de le suivre. C'est assez bizarre. Mais est-ce que je peux avancer pour la suivre ou... Ah, il y a un chargement. Mais, ah, mais c'est... C'est Altaïr. Qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? Mais c'est
sûrement sa cible. J'ai dû m'évanouir. Et là, faut croire que je suis en plein cauchemar. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. C'est pas très surprenant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'attraper et la tuer ou juste la suivre? Bon, apparemment, il faut juste la suivre. Voilà, j'ai sauté trop loin. Ah ouais, ok, d'accord. Elle lui a carrément rentré dedans. Je crois que je suis allé un peu trop vite là, non? Mais elle monte pas. Ouais, donc faut que je la suive, faut pas que je la devance. Ok. On va rentrer dans la tour alors. D'accord, la porte qui se ferme. Ouais, il va falloir aller tout en haut. Allez, c'est parti pour la grimpette. Ça marche pas, il veut pas s'accrocher. Il va falloir que je saute en même temps à gauche, c'est ça, voilà. Allez, grimpe petit. Ah bah, va falloir faire le tour, je pense. Ah, je pense qu'il y a moyen de monter par là. Voilà, on y est. Hey, mais c'est la fille d'Acre. C'était quoi son nom? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Wow, bon, je m'attendais pas à ça. Ok. Bon, ça va, il coupe la séquence. J'aurai pas besoin de mettre un moins de 18 sur la vidéo. Ok, bah un petit saut de longe. Je ne devrais pas suivre Altaïr. Je suis coincé ici avec Maria. Oh merde. Ça veut dire que... Il est vraiment bizarre ce rêve. Ouais, c'était bizarre. Je me demande à quoi ça va correspondre de savoir, d'avoir vu cette petite séquence... entre Altaïr et Maria. Est-ce que ça va avoir un impact? Bon, en tout cas, on se réveille. On est dans notre labo cachette. Eh, ça va? Ouais, ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. Donc, du coup, bah, cet épisode est très très court, hein, parce qu'on va s'arrêter là. Je suppose que maintenant il va falloir retourner dans l'animus. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Et du coup, désolé, mais on a du pain sur la planche. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tu comprends ça, Sean? Donc on verra le début de la séquence dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous!